Ciel-là. Maman qui plaît pour voir, maman qui quelque sensible pour tout petit lion. Saluez-vous, maman, notre dame, maman, le petit qui sauve, maman. Maman qui a payé sous nous, maman qui toujours là, maman toujours à prendre soin, la journée quand coule la nuit. Pour toutes les rôles d'une détruite, ou toujours fait diligence. Salut, maman, je suis sauvée. Maman, je suis sauvée.
voilà, mettez lumière dans cœur. N'importe quelle circonstance qui va arriver, oh parola, oh parola, mettez lumière dans cœur. Parola, parola, mettez sagesse dans cœur. Parola, parola, mettez sagesse dans cœur. N'importe quelle circonstance qui va arriver, oh parola, mettez sagesse dans cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean, chapitre 20, du verset 19 au verset 23. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit : recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Acclamons la parole du Seigneur. On nous fait louange pour grand-mère là, bravo pour lui, c'est lui qui bat la vie, bravo pour lui. On nous fait louange pour grand-mère là, bravo pour lui, c'est lui qui bat la vie, bravo pour lui. Religieux, religieuse, laïque, engagé, chrétien et tout le monde, bonne volonté, capé vivre, dernier jour de veine à la Pentecôte là, à Soya. Eh bien, nous vivons, j'aime ça dire là, dans le dernier jour, côté ce que nous, il ouvre, pour nous capables de revivre. Ça, à faute de ce que nous vivons dans le premier Pentecôte là. Et pour être capable de conduire neuvaine prière et préparation à fête la Pentecôte là, nous t'ai choisi et t'as médité sous thème ça.
vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint pour mieux découvrir Dieu dans notre quotidien. Pendant 8 jours, nous t'avons réfléchi, nous t'avons la prière pour de nouvelles découvertes de Dieu dans notre quotidien. Pendant, nous t'avons toute disposition pour nous te quitter, c'est l'Esprit Saint qui conduit nous. N'a doublé conséquences-là qui découlaient de thème. Non seulement n'a dit pour mieux découvrir, comme c'est dans le dernier jour, n'a dit vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint pour mieux découvrir. Ça, c'est le premier élément pour nous-mêmes qui vivons là, pour nous capables de découvrir. Et pour nous capables de dire, afin de communiquer Dieu dans notre quotidien. N'a découvrir, n'a vivre, comme après la réception de l'Esprit Saint, c'est la création de l'Église et l'envoi en mission, n'a ajouté pour mieux découvrir et communiquer Dieu dans notre quotidien. Comment avec ce mieux? Vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint. Nous allons faire une petite réflexion sur lui, cap n'a pas remonté jusqu'à Ancien Testament. Très rapidement, Premier Testament vient tomber dans Deuxième Testament, prend par la suite apôtre. Nous tombons dans Deuxième Testament avec Jésus-Christ, garde mission Jésus, garde Jésus sous la mouvance de l'Esprit, vient tomber dans apôtre et arrive sous nous-mêmes. Je dis, c'est comme ça nous pourrons garder des réflexions pour dernier jour. Vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint, ses premières composantes, t'aimes-nous. L'Esprit Saint nous mandait pour nous vivre sous mouvance liant. Là, on a parlé vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint. L'important pour nous garder mot mouvance là. Qui ça veut dire? Là, on a parlé de mouvance. Là, on a parlé de mouvance. Nous, ouais, gain verbe mouvoir. Yon ti jan ap sekwe tout petit pou kapab déplacer. OK? Yon ti secousse, yon ti déplacement. Son corps ki la ou ap souke corps pou le parete même côté a. Gen yon force extérieure qui vient communiquer à corps sa ki la et force extérieure sa permet corps capable de déplacer côté lié pour aller à l'autre côté. Donc, vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint, si nous allons depuis le premier testament, dans la création même de l'homme, dans Adam, qui ça nous capable de découvrir? Nous allons faire une découverte. C'est que mon Dieu t'a créé toute bagaille. Mon Dieu dit un mot, toute bagaille est fait. D'après ça, livre la Genèse là rapporté. Le bon Dieu après le créer mon, il prend un autre procédé. Il fait un petit labo. D'après théorie créationniste là, li fait il aboua, li admire.
qui la boue a gen forme, mais li pou kon gen capacité pour li animer, pour li vivre. Eh bien, gagner yon geste, bon Dieu posé, gagner action, bon Dieu fait. Bon Dieu prend souffle qui là dedans, lui fait, lui souffler sous figurine ça, qui c'est corps humain ça, lui t'est formé à, qui c'est Adam. Avec souffle ça, bon Dieu animé Adam. Donc la vie qui vient entrer dans Adam comme monde qui créé dans image bon Dieu, li était différent de la vie qui était dans l'autre être vivant yo. Bon Dieu te dit un mot, bagay yo fait. Maintenant qu'à Adam, le bon Dieu fin prend temps, li modèle dans ressemblance li, dans image li, c'est souffle bon Dieu et qui c'est le souffle de l'Esprit Saint qui animait Adam. Et étant donné que c'est souffle bon Dieu, souffle l'Esprit bon Dieu a, qui animait Adam et qui pral animer Ève tout et tout l'autre être humain, bon Dieu tout partager avec Adam la responsabilité de la conduite de la création, la responsabilité de la gouvernance de la création. Donc, mouvoir par l'Esprit Saint, l'inan origine mouna même, comme être qui créé nan image bon Dieu. Malheureusement, par faiblesse, péché ya, ta pral rentre nan moun nan, et ki ta pral altere, change nan yon mauvais jan, la vie sa ki an dedan nan. Et kon sa, après péché a, bon Dieu pat méprisé moun nan, parce que li te créé nan image bon Dieu pat pran image li pou li foulé en bas pied. Tout simplement, genye conséquence péché a, que moun nan ap vive. Conséquence péché a, c'est attraction mal sou moun nan, mais moun nan toujours rete image bon Dieu, ressemblance bon Dieu, et bon Dieu gagne toute admiration pour lui. Et comme ça, bon Dieu te prend résolution pour que lui refait création. Mais bon Dieu gagne tant lui. Dans tant bon Dieu a, tant abdéoulé, le temps bon Dieu a arrivé pour création renouvelée dans Jean bon Dieu lui-même livré a, eh bien c'est ça que fait comme avec Semio, nous pral tomber dans l'annonciation. Le temps bon Dieu a arrivé bout li pour promesse bon Dieu t'est fait pour craser tête Satan rivé, et pour le fait bon Dieu voyait l'ange Gabriel côté la très sainte Vierge Marie que bon Dieu lui-même l'y t'est créé dans Jean Paul Immaculée Conception pour t'est capable by naissance à Sila qui pral refait création. Eh bien, c'est comme ça encore. Nous pralouons la mouvance de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint pral en action. Rappelez-vous, l'ange Gabriel, proche côté Marie, li rive, li salue Marie,
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, etc., etc. Yo entre dans le dialogue. L'ange Gabriel annonce Marie, li pral fè yon petit. Dans le dialogue là, Marie mandel, comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Je suis vierge. Je suis totalement dédié au Seigneur. Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Et encore, l'ange pral dit Marie, voici la manière dont cela va se passer. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Tu vas être mû par l'Esprit. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. L'intervention de l'Esprit pour l'incarnation de Jésus au moment de l'Annonciation. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Donc encore, pour Jésus incarné dans Marie, l'Esprit Saint va rentrer en action. Donc, l'animation de Jésus en Marie va se faire à partir du travail de l'Esprit Saint. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. Et celui qui va naître de toi sera appelé Fils de Dieu, etc., etc., etc. Donc, mes frères, quand nous disons vivre nous-mêmes, quand nous réfléchissons pour nous vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint, eh bien, c'est une conséquence qui vient en dernier lieu pour nous. Mais l'Esprit Saint a été en action, en opération dès la création du monde, de l'humanité. Et l'Esprit Saint va être en action, en opération avec Jésus pour la récréation de l'humanité. Donc, à chaque grand moment, histoire, bon, relation bon Dieu avec moun, l'Esprit Saint présent. Et maintenant, ça, l'ange Gabriel te dit Maria li rive. Et maintenant, Jésus incarné, Jésus fait, et puis Jésus a grandi. Mais ça doit arriver. Yon temps que Jésus commençait mission. Et mission qui c'est pour sauver les hommes. Et encore, qu'est-ce qui va se passer? Jésus est incarné sous la puissance de l'Esprit Saint et la mission de Jésus va s'ouvrir encore sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et nous joignons ça dans le ministère de Jésus en Galilée. Jésus inaugure sa prédication, c'est dans Luc chapitre 4, du verset 16 au verset 21. Côté l'heure pour Jésus, commencer mission, raison pour laquelle il est venu dans l'humanité. Jésus reprend ça qui était déjà dit longtemps dans le livre
prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Jésus inaugure sa mission sous la mouvance de l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint se trouve à tous les grands moments de l'histoire de Dieu avec son peuple. Sorti dans l'Ancien Testament, le Premier Testament, rivé dans le Deuxième Testament, ou bien Nouveau Testament, l'Esprit Saint est à l'œuvre pour l'incarnation de Jésus. Maintenant, l'Esprit Saint est à l'œuvre pour l'inauguration du ministère de Jésus. Et c'est en bas pour voir l'Esprit Saint, Jésus t'a parlé continuer toute mission. Mission de la découverte, mission pour l'être capable de rester toujours comme Dieu fait homme, en bonne relation avec bon Dieu Papa, pour lui-même tout, la découvrir bon Dieu dans la vie chaque jour, dans la vie l'autre monde, et tout pour l'être capable de communiquer bon Dieu, la vie bon Dieu, à toute frère Axel, l'itapral rencontré. Et tout a été fait pour Jésus sous la mouvance de l'Esprit Saint. Donc Jésus, sous la mouvance de l'Esprit Saint, a pu découvrir Dieu dans l'histoire où il vivait et il a pu communiquer Dieu dans l'histoire où il vivait aussi. Et comme ça, sous la mouvance de l'Esprit Saint, Jésus-Christ est un frère. Dieu fait homme, il est un frère. Il est un frère qui t'a montré le visage amoureux et aimant de Dieu à tous les hommes et toutes les femmes sans exception. Et ça, très, très, très important pour nous, mes frères et sœurs. Jésus était ce frère, Dieu fait homme, qui montrait à tous ses frères et sœurs, sans exception, le visage aimant et amoureux de Dieu. Pour qui ça nous dit sans exception? Parce que dans le ministère Jésus, sous la mouvance de l'Esprit Saint, toute catégorie monde te joigne par yo. Dès que yo te rete ouvert, yo te joigne par yo. Moun ki te nan marge société, quel que soit moun, ou te riche, ou vle vini kote Jésus, Jésus dit ou bienvenue, parce qu'il est venu communiquer le salut à tous les hommes, des riches d'un coup. Zaché, qui te gen problème pa yo, yo monte en l'air pied bois pour Jésus. Zaché descend, m'bra y mange la kayo. L'autre grand pharisien, moun ki te comprenne yo, bon, yap fè orgueil, yo fâché. Jésus dit non, 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 non. Je suis venu du ciel. Je viens communiquer aux hommes et aux femmes la sagesse divine. Je suis venu donner à tous les hommes et à toutes les femmes la grâce imméritée, la grâce divine imméritée. Pas gen anken nan nou qui capable battre l'estomac nous pour dire
nous méritons sa vine pote ya. Nous tous, nous dans l'immérite. C'est bon Dieu qui dans compassion rend nous méritoire. Donc, si c'est bon Dieu dans compassion qui rend nous méritoire, pas de yon monde qui est capable de dire, moi qui dois recevoir grâce là, yon l'autre pas capable de recevoir. Tout simplement, réception grâce là a fait avec l'ouverture de cœur. Eh bien, Zaché, te vle ouè Jésus? Eh bien, Jésus dit, c'est pas seulement ouè wap ouè, non. M'apra y manger la caillou, m'apra y fait bonbons, m'apra y fait fête avant pour content, pour combler. Et Zaché allait être transformé. Ça me dévole yo, m'apra y remettre yo. Parce qu'on vient manger la caillou mouè, parce que grâce à l'arrivée pour moi aujourd'hui, eh bien, je vais devenir un frère maintenant. Je ne vais plus être le voleur que j'étais avant. Je ne vais plus être l'homme qui faisait l'injustice que j'étais avant. Je vais devenir un frère qui fait la justice, un frère qui partage, un frère qui vit avec les autres. Encore quelques petits points dans le ministère Jésus, les femmes. Cette catégorie sociale qui a été méprisée, mise de côté, eh bien, les femmes ont eu leur place dans le ministère de Jésus. Ils ont pas compté comme zéro, ils ont compté comme moun. Et ils ont gagné importance en dedans mission Jésus. Et c'est ça qui fait que ça qui était capable même venir en trop grand nombre. Dans condition, yo y a touché Jésus, yo joué une délivrance. Les lépreux qui étaient considérés comme des maudits ou bien comme des mouns légalement qui étaient dans situation malédiction, yo tendaient parler de Jésus, yo vinn côté Jésus, yo dit lui, il est le porteur du salut. Non seulement Jésus parlait avec yo, Jésus touché. Eh bien, c'est comme ça. Tout le ministère de Jésus, sous la mouvance de l'Esprit Saint, a été un ministère pour le salut de tous les hommes et de toutes les femmes, sans exception. Mais qui ça était important, c'est ouvrir vos cœurs à Jésus pour accueillir l'abondance des grâces imméritées, des grâces divines. Eh bien, c'est qu'on s'affirme avec Samuel. Le Jésus, après, li fin passé temps, nan rempli mission sous la mouvance de l'Esprit Saint, eh bien, c'est Jésus ça, qui t'est rassemblé avec le partisan Lyon, qui t'a entraîné dans Jean pour être capable de succéder dans l'accomplissement mission, eh bien, nan moment la Pentecôte, nan moment ascension, quand elle te baille au rendez-vous, li pral disparaître devant yeux. Li te baille au rendez-vous, et puis, yo tal tan li. Li paraît, yo content, là finalement yo wese li, et li ap di yon bagay, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, de toutes les nations. De toutes les nations, allez faire des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et moi je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Jésus remplit mission, eh bien, Jésus allait, li monte dans le ciel, li voye yo. Mais apôtre yo, yo te gagné comme Jésus te promet yo. Yo te doué ton paraclet, l'Esprit Saint. Et c'est ça que fait, yo te vin aller dans Chamrot là, après l'ascension de Jésus. Eh bien, apôtre yo, partisan Jésus, eh bien, yo te allé, yo te entré dans la prière. Même Jean nous-mêmes, jodia, n'a préparé le venant à la Pentecôte, nous dans la prière. Mais dans la résurrection de Jésus, il y a plusieurs fois Jésus te paraît. Et c'est ça nous te lit
dans la portion de l'évangile, nous te lis là, dans Saint-Jean. L'évangile est important, mais on va le prendre, yon l'autre acte des apôtres avec nous-mêmes qui racontait très bien réalité la Pentecôte là. Eh bien, dans la petite apparition de Jésus, nous voyons qui ça qui passait, ça nous saute là, yon dit nous, c'était après la mort de Jésus. Sur un premier jour semaine, Jésus paraît sous partisan lui. Porte fermé parce que yo te peur. Yo te peur juif yo. Et qui ça Jésus te dit yo? La paix soit avec vous. Homme peureux que vous êtes, vous vivez dans la peur, mais moi je vous donne ma paix. La paix soit avec vous. Yon première fois l'idée la paix soit avec vous. Yon deuxième fois l'idée la paix soit avec vous. Et l'idée encore, moins voyez nous. Ça, c'est pas encore la grande Pentecôte. Moins voyez nous. Même Jean-Papa te voyez nous. Pour nous aller sur toute face terre. Prêcher, bay parole là. Et puis, moun nous kembe péché yo, péché yo ap kembe. Moun nous pardonne péché, péché a pardonné. Et qui ça Jésus fait? Li répand sou yo le souffle de l'esprit. Ça c'est anticipation à la grande Pentecôte. Li souffle sou yo, li répand sou yo le souffle de l'esprit. Eh bien, geste ça Jésus posé pendant l'abdi baptisé au voyer nous. Eh bien, c'est même que sa papa te posé sous Adam. Bon Dieu te baye Adam, souffle l'Esprit Saint qui te là dedans. Et c'est ça qui te fait Adam vivre. Mais, gon bagay qui va y passer là. Apôtre Jésus, qui te fermé, qui t'a la prière parce que yo te père juif, yo te déjà gen la vie nan yo. Yo te gen la vie humaine nan yo. Mais souffle Jésus ba yo a li souffle sou yo li di yo recevez l'esprit saint pendant di yo recevez l'esprit saint hein? Ça veut dire ça c'est yon l'autre niveau l'esprit c'est l'esprit qui fait le lien entre le père et le fils l'esprit qui fait la cohésion entre papa avec petite là. C'est l'esprit trinitaire. Jésus souffle sur yo, il dit prends l'esprit saint. Monsieur ça yo qui était animé avec l'esprit ordinaire, la vie ordinaire, tout l'autre être yo te gagné, tout l'autre monde te gagné, eh bien, yo vinn passer dans un autre niveau, c'est pas même moun nan yo yé encore. Ça qui nan bon Dieu a même. Ça qui nan Jésus qui t'a animé Jésus a Jésus transmet li bay monsieur pour que yo même yo capable trouver yo dans condition pour remplir mission Jésus voye yo à le remplir. Et li important pour nous femme avec Samuel pour nous connaître ça. Li important pour nous comprendre ça. Yo t'ap vive mais gon bagay yo te manqué. C'est le souffle de l'esprit et ça s'apparente à la confirmation. OK? Ça s'apparente à la confirmation. Nous te manqué de yon bagay, eh bien, qu'on y a moins ban nou l'il pour li raffermer nous, pour li transformer nous. J'en dis nous, c'est des anticipations à la grande Pentecôte. Eh bien, là pour grande Pentecôte l'arrivée, et c'est ça, j'en te commencé à dire avant, qu'a arrivé après l'ascension de Jésus. Monsieur yo, monsieur Damio, yo te dans la prière et maman Marie te avec yo, te gagné l'autre mesdames qui raconté nous qui te avec yo. C'est dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 1 à 11. Quand arriva la Pentecôte, le 150e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut
rempli. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Mais c'est la grande Pentecôte. Ça, Jésus te promet là, l'y fait. Et c'est qui t'a pris le passé? Et c'est là, maintenant, l'y vient très important pour nous, c'est le début, la naissance de l'Église, le début de l'apostolat ou bien du ministère des apôtres. Tout monde qui était là, en prière, l'Esprit a descendu sur yo, déposé garçon tant qu'on fit quitter en prière, l'Esprit Saint déposé sur yo sous forme langue du feu et yo tout yo prend parler et en langue. Et un bagage qui est important là qu'après il passe, yo dit nous t'es gagné. Non. Jérusalem, dans le moment où il y avait séjourné à Jérusalem des Juifs fervents issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Bruit était fort. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler en sa propre langue. Tous ceux qui étaient là, venus de différentes nations, ils entendaient les apôtres parler dans leur propre langue. Rappelez-vous, m'a fait ouvertir ça pour nous. Rappelez-nous, dans l'orgueil des hommes, je te voulais égaliser, mon Dieu, je dis à construire tout à Babel, monter, pour rejoindre côté mon Dieu. Là, ils arrivent, ils divisent en l'air, ils ne sont pas capables de comprendre l'autre. Parce que c'était le fruit de l'orgueil. Ce n'est pas le fruit de l'humilité. Ça. Il y a toujours mais le tour de Babel. Et bien, fois ça, c'est la grâce qui se répand pour une autre mission. Et bien, toute l'autre monde qui était là, de différentes nations, il y a pris le temps d'apôtre à parler dans l'anglais. Et là, il y a le temps d'apôtre à parler dans l'anglais. Nous connaissons sa réalité. La naissance de l'Église. Là, il y a tout, il y a retourné la caillou. Eh bien, yo capable al porter bonne nouvelle là pour dire mais qui ça nous te vivre. Eh bien, nous-mêmes nous capables proclamer. Eh bien, vous avec Sémio, c'est là que l'Esprit Saint a transformé ces hommes et ces femmes qui étaient en prière, transformés. Maintenant, ils étaient équipés par l'Esprit Saint pour aller de par le monde, dans tous les points où ils pouvaient aller, soit à pied, en bateau, etc., etc., proclamer la bonne nouvelle que Jésus est vivant. Proclamer la bonne nouvelle que le Dieu que nous devons adorer, le Dieu que nous devons louer, est celui qui nous est présenté par Jésus. La naissance de l'Église. Et, n'a parlé de la naissance de l'Église, comme avec Sémio, c'est ça la Pentecôte. L'Église là, qui ça l'Église là? Nous pouvons regarder dans Denis. L'Église là, qui naît à partir de la Pentecôte, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est le corps du Christ. Et c'est ça Christ l'a dévelé. OK? L'Église là, c'est le corps du Christ. Là où est l'Église là, où dit ce corps du Christ? Mais ce Christ qui vivait sur terre, Jésus-Christ qui vivait sur terre, au moment de son ascension, il est monté au ciel. Il y a un plein mystère. Il est monté au ciel. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Si le Christ est le corps du Christ, le Christ est la tête de l'Église. Nous, les humains, nous sommes les membres, le reste du corps. Donc,
cette Église dont nous sommes membres transcende l'histoire, l'y transcende espacio. Parce que côté tête là, côté tête là, tête là dans le ciel là, qui côté ciel là, bon, ça c'est des grandes questions, grandes théologies à répondre. Mais ce que nous sommes en train de vivre comme Église, c'est une réalité mystérieuse. Eh bien, c'est un grand corps qui est formé par Jésus, qui est sa tête, et tous les chrétiens comme ses membres. Et ce n'est pas chrétien nous aujourd'hui, hein? C'est tout chrétien qui était là depuis tant Jésus, qui était adhéré, prend prédication à Potio Caprale, yo mouri, yo là. Parce que le Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Prenons-nous même qui l'a aujourd'hui, qui a proclamé parole là, nous vivons, qui vient pour aller mourir après, et prend tout l'autre pour nous venir jusqu'à la consommation des temps, c'est ça qui l'Église là. Commencez avec le Christ, sa tête, prend le corps pendant toute l'histoire du salut pour arriver à la fin du monde. Je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Eh bien, comme Jésus lui-même, l'était vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint, eh bien, après la réception de l'Esprit transformé, les apôtres étaient partis annoncer la bonne nouvelle du salut sous la mouvance de l'Esprit. Nous, t'es yon portion parole, bon Dieu, là, dans les actes des apôtres. Et là, tu as ce nom en télé pour nous, qui concerne Saint-Paul. Saint-Paul enchaîné, qui transformé, qui ramené à Rome, nous t'es l'île. Et bien encore, vous vous rappelez qui Paul était, de persécuteur de l'Église, Paul a été transformé sous la mouvance de l'Esprit quand Dieu lui, quand Jésus lui parlait. Paul, Paul, Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Dans le reste de mon corps qui est l'Église. OK? Paul, maintenant, après avoir entendu cette voix qui lui parlait, la voix de Jésus, qui dit, tu me persécutes, mais je te persécute, où est-ce que je le trouve? Dans mes frères, dans mon corps, l'Église, ces frères-là que tu persécutes, mais c'est moi que tu persécutes. Eh bien, Paul tombe de son cheval, eh bien, là, entre dans la prière, Anani vini, vient faire la prière avec elle, l'imposition des mains, Dieu l'ouvrit. Maintenant, Paul a été l'instrument de prédilection choisi par Dieu pour apporter la bonne nouvelle aux gentils, aux païens. Il était très bien formé, il avait la capacité intellectuelle, théologique pour confronter tous ceux qui étaient hautement formé et même en prison à Rome, Paul continuait sous la mouvance de l'Esprit à bailler parole là. Eh bien, quand nous disons vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint pour mieux découvrir Dieu et mieux communiquer Dieu dans notre quotidien, eh bien, nous sommes appelés aujourd'hui, mes frères et sœurs, à regarder le ministère de Jésus, comment son ministère a été déroulé et comment son ministère a pris fin sur la terre. Nous sommes appelés, si nous voulons vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint, pour mieux découvrir Dieu dans notre quotidien et communiquer Dieu dans notre quotidien, nous devons lire les actes des apôtres. Nous devons lire la Bible pour savoir comment nos devanciers, les baptisés, les apôtres, ils ont vécu. Ce qu'ils ont eu comme joie, ce qu'ils ont eu comme souffrance dans leur mission de découvrir Dieu et de communiquer Dieu dans leur quotidien. Paul est un exemple pour nous aujourd'hui. Donc, de Jésus, ou bien d'Adam à Jésus dans son incarnation, Jésus dans sa mission, Jésus dans le transfert en voie de l'Esprit Saint, les apôtres, etc. Maintenant à nous, nous aujourd'hui.
nous les membres de l'Église, on nous font y garder l'Église là conforme avec celle. Pas trop non, mais c'est important. Excusez-moi. L'Église là. L'Église là, c'est le corps du Christ. Gagné, l'homme n'y a pas réfléchi sur l'Église, bon bagay yo pas compagne. Bon Dieu, c'est bon Dieu. Jésus, c'est Jésus. Bon Dieu connaît mieux que nous. Jésus connaît mieux que nous. C'est Jésus qui a formé son Église. Et c'est Jésus qui connaît tous les membres qui sont dans son Église. Nous-mêmes, n'ap jugé yo, n'ap condamné yo, et puis, nous n'en telle l'Église, nous dit nous quitter, n'aller dans l'autre l'Église, trois jours, Borisite là, trois papas Borisite là, malé on l'autre côté, nous t'a aimé pour l'Église là et l'autre gens. Oui, nous sommes tous appelés à la sainteté. Au nom de notre appel à la sainteté et notre volonté de vivre déjà sur terre dans un haut niveau de sainteté, nous devons vraiment être en peine quand nous voyons l'état de notre Église. Mais mettons-nous en tête que nous sommes les membres, mais il y a la tête, Jésus, qui est en train de regarder son Église et Jésus qui est en train de conduire son Église sous la mouvance de l'Esprit Saint, cet Esprit Saint qui a été à l'origine de l'Église. Et yon ti bagay, mwen vle di pou nou, que ce soit c'est pour paix, que c'est pour la, yik pou mè, pour tout moun kap koute la. Mwen même toujours réfléchi sur le mystère de l'Église tel que nous y est. Dieu nous appelle comme nous sommes, ok? Il a dit, nous ne sommes pas du monde, mais nous devons être dans le monde pour continuer le mystère du salut. En nous choisissant, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde de bagaille. Eh bien, qui s'est passé? Nous connaissons, même du temps de Jésus, les Jésus ont commencé ministère avec les 12 apôtres. L'IPAT yon collège des apôtres parfait. Jean, peut-être un pile moun de ka imagine et puis nous voulons décourager avec l'Église. Imperfection te déjà dans l'origine de l'Église. La. Permette-moi de dire ça. Parce que Jésus tournait l'été avec des humains. Mais Jésus a été patient. Il a été patient avec ses apôtres. Yon premier exemple, c'est que il y avait du côté des apôtres cette envie de pouvoir. Rappelez-vous, les deux fils de Zébédée. Maman yon vin côté Jésus, dit Jésus, vraiment de yon faveur spécial pour des petits points sa yon là. Et maintenant, yon ouais, pouvez mettre, ou pouvez installer, ou mettre yon à gauche, yon à droite. Deux premiers ministres, yon à gauche, yon à droite. L'autre dit, si yon tende ça, ma choué gonflé. Maman m'a demandé tous les deux grandes positions pour l'autre qui va gagner. Il t'a demandé au moins, il m'a demandé tous les deux. Jésus, il pas fâché, il dit, gardez-nous, madame. Vous comprenez son mandé, oui, mais son mandé, ce n'est pas moi qui gagne pour bailler, non. Ce n'est pas Pam qui gagne pour bailler. Quand il y a Sam, nous sommes capables de bailler, calisme qui est pour bailler là-dedans. Si vous êtes capable de bailler, madame, nous sommes capables de calisme, il dit, oui, vous êtes capable de bailler. Mais il dit, pas de problème, vous mettez bailler. Il t'a pas ibrel vrai. Ou t'es oui mon yo, il t'a pas ibrel vrai. L'autre monsieur on prend babier, yo prend babier. Oui, ou n'a yo vini yo mande tout le déposition et nous qui ça pour nous. OK. Donc la perfection n'a pas été au rendez-vous, t'es que tiens perfection, t'es gain volonté de pouvoir. Encore dans le collège des apôtres, c'est pour montrer que vous devez être patient dans cette église telle que nous sommes maintenant. Jésus choisit 12 apôtres. Bon, mais si on lave, gagne un an yo qui remet l'argent en pile, il relè Judas Iscariot. Il vend Jésus, il touche l'argent maintenant poche. Il vend mettre là, oui. Déjà dans le collège, et Jésus connaît, il vend. Non, je dis, Seigneur, je dis, gagne un an qui va être trahi. Jésus décrit tout bagay yo bali. Et il gagne audacement de ses bras, même mettre. Jésus dit, bon, ou parle, ou dis ça. Ça va, dit, go.
déjà. Eh bien, vraiment avec Samuel, c'est le mystère de l'Église. Jésus a été patient et il n'a pas mis Judas dehors. Il quittait là. Il quittait là. Eh bien, l'Église là, telle que nous vivons, nous sommes appelés à être saints. Mais nous ne sommes pas une ligue de saints. Nous sommes appelés à la sainteté. Et nous connaissons comment on est saints, mon Dieu. Nous connaissons la beauté, comment on est venu. Moi, ce matin, je regarde la prière. Moi, frère, je vais mettre mes filles. Je dis nous comment on est saints. Moi-même, c'est ma conviction profonde. De faire une faute avec l'autre. Nan force nous, nan faiblesse nous, yon a supporté l'autre, yon a encouragé l'autre. C'est quoi yon a saint, oui? Al gade, ma petit exemple bien facile pour nous. Allez dans la rivière. Nous qu'on allait dans la rivière, nous avons cherché belle tiwash, pour nous qui t'habitue en dehors, fait belle tiwash. Gede tiwash ou nous prenons, tiwash plateau, ça belle. Nous prenons, nous mettons dans la poche, nous vins mettre sous. Tab nous mettons dans ti bouteille pour nous garder. D'après nous même, ti wash qui belle belle. Côté yo sorti, ou t'a dit c'est les saints. Qui côté yo sorti? Nous remé yo nous belle. Côté yo sorti. Nous konn zak fait ti wash yo belle comme ça. C'est nan frotté yon avec l'autre, oui. Frotté l'autre frotté avec moun nan gen mo sorti sou, gen souffrance, oui. Ti wash yo yon frotté avec à force de frotté. Tout scori qui sorti sou yo, tout saleté, yo tellement frotté que finalement yo vin belle et puis yo déposé sur les rives. Eh bien, l'église là, c'est un gros grand rivière. Jésus, c'est tête rivière, ça a déjà saint. Nous même, nous c'est tout wash yo, bloa, blola, via, apote, nan bon temps, mauvais temps, rivière, pa emene nous, dis nan l'an, mais qui c'est l'an, mais ciel là. Ok? N'a frotté yon avec l'autre et puis pendant un frottement ou ben mon orgueil m'accepte nous tout nous rete là et puis nous vinn propre ou après bon c'est dans nous qui vinn propre net et bien c'est de là que les saints viennent de l'église et mais moun qui vinn saint yo soyez parfait comme notre père céleste est parfait c'est pas moun qui préserve de tout ça qui mal yo non mais c'est moun qui entre en dedans chalet yo. Amen. Qui vivent grandes difficultés, yo, et puis qui ont même à la fin, yo sorti avec une sainteté, une blancheur qui est admirable. Et c'est un coup de roche ça, yo nous prend, dans le mettre dans bouteille pour nous admirer. Eh bien, c'est ça que c'est dans l'église là. Qui fait que, moi-même qui paie, bon Dieu, c'est ça, il va moi comme ministère. S'il voyait dans l'église, moun yo pa, moun yo gen faiblesse yo, moun gen faiblesse moun tout, faut me aimer yo, je dois les aimer, je dois les accompagner, moun pa dwe vomi yo, je dois les aimer, les accompagner, c'est mon travail. Yo capable parler mal, moun ka ba yo kek bek tout, mais nous sommes tous appelés à rester dans l'église, pas quitter l'église là. Alléluia. Alléluia, ma soeur, pas quitter l'église là. C'est rentrer dans l'église là, on les sacrements. Que sont les sacrements? Sans sacrement, oui. Eh bien, sacrement, c'est moyen, bon Dieu, mettez pour nous la grâce. Est-ce que vous pouvez trouver les sacrements en dehors de l'église? Non. Mon nom dit, on m'a prêté la caille, on m'a pas la prière avec bon Dieu, et bon, pas dans l'église. Mm-mm. Il y a, vous êtes corps du Christ comme chrétien. Mais il y a un lieu où tous les chrétiens, corps du Christ, ils se rassemblent pour célébrer Dieu dans leur joie, dans leur peine, dans leur force, dans leur faiblesse. Mm-hmm. À l'intérieur de l'église. Père, on n'a pas besoin de courir quitter l'église là. Mère, on n'a pas besoin de courir quitter l'église là. Fidèle, on n'a pas courir quitter l'église là. C'est là pour être. C'est là votre lieu de sainteté. C'est donc pour si tu vois cela dit, ma courir quitter rivière. Eh bien, comment la faire une belle pour prendre? Comment la faire une belle branle? Comment on va prendre le nom? Eh bien, mes frères et sœurs, l'Église, c'est ce mystère dans lequel nous nous trouvons. C'est le corps du Christ où tous nous nous frottons. Et à force de frottement,
nous réalisons quotidiennement et au fur et à mesure notre sainteté. Pas dit ou garder la messe dans la télévision, ou pas garder dans la télévision. Eh bien non, l'été de la pandémie en nous d'accord. Mais pandémie en fini, vin la prière pour nous faire ensemble, c'est ça Jésus te fait. Est-ce qu'on parle de Jésus de toujours dans la synagogue? Ou pas, ouais, même là, ou bagay Jésus, Jésus court, il sortit là, et bien dans l'autre côté, la prêche est pirée. Ou pas, c'est ça, apporte, il fait. Et bien, ou pas, pigre, parce que Jésus, non? Jésus est la tête de l'église, vous n'avez pas plus de connaissance que la tête. Et vous ne pouvez pas dire à la tête, voici comment moi je veux l'église. Jésus sait comment est son église, parce que c'est son corps. Eh bien, aimons l'église. Aimons l'église. La Pentecôte est à l'origine de l'église. L'église l'a formée pour la Pentecôte là. Eh bien, avec moi, c'est là-dedans nous fêtons, c'est là-dedans pour nous mourir. Et c'est là-dedans tout, n'a Vincent. Donc, comme avec Samuel, nous, après recevoir l'Esprit Saint, dans la Pentecôte là, eh bien, c'est pour nous capables d'aller, pour nous faire église. Nous recevoir l'Esprit Saint pour faire église. Et cette église que nous sommes, avec la Pentecôte, eh bien, c'est une église que nous devons, comme chrétiens, communiquer dans nos lieux de vie, à la maison, où sort l'église, comment vivre la caille là. Ponger fort. Comme route à l'église pour faire un jeu à vivre pour l'autre monde en vie, vine l'église. Dans votre milieu de travail, vous avez un chapelet en main, vous avez votre Bible. Eh bien, comment faire fort? Non pas dit pour vous êtes appelé à être saint, vous avez vos faiblesses, mais vous devez être des hommes et des femmes de désir. Désir de perfection. Et effort de perfection. Ou tomber levé, pas arrêter contre toi. Mais ou tomber. Son mounouye. Est-ce que tu es plus grand que Dieu? Et mais ou Pierre te dit, Jésus, pas de rien pour faire Dieu, pour faire la vie. Pour, Jésus, Pierre, crac, il va faire la vie. Pour, avant, pour que l'argent tu aies pris trois fois. Mais Jésus, il est connu qu'il est Pierre, il va la vie, oui. Mais c'est après, il a besoin Pierre pour l'église, il continue après. Et si il va la vie avant, il me va la vie avant, non? Eh bien, il avait besoin de Pierre. Eh bien, Jésus a besoin de chacun de nous dans son église. Donc, comme avec Samuel, dans le dernier jour de la Pentecôte, on nous dit, bon Dieu, grand maître, la merci parce que nous vivons le 20 ans. Eh bien, nous pouvons mettre nous, tous chrétiens, dans la main, bon Dieu. Et surtout, chrétiens haïtiens que nous sommes. Chrétiens haïtiens que nous sommes, dans l'invitation pour nous garder passé nous comme haïtiens. Comment jusqu'à présent nous te vivons sous la mouvance de l'esprit. Pour nous garder notre aujourd'hui comme haïtiens. Une décision dans fait la Pentecôte 2023 en apprend. Et en fonction de décision comme haïtiens chrétiens, n'apprend comment nous voulons projeter. Avenir nous comme haïtiens dans mi-temps concert des peuples des nations. Ça sont gros bagailles pour nous penser à aller. Notre passé comme membre du corps du Christ, notre présent et comment nous projeter dans l'avenir. En nous demandant bon Dieu grand maître là pour faire la Pentecôte ça. Qui difficile pour tout haïtien. Eh bien, li capable yon tremplin pour une vraie conversion sous la mouvance de l'esprit pour non seulement nous découvrir bon Dieu, nous découvrir Jésus, mais nous vivre de lui et puis pour nous capables communiquer à toute fois avec Seigneur, yon bon Dieu la vie, yon la vie éternelle qui a commencé depuis sous terre ça même pour finir dans le ciel là. Amen. Amen. Comme les mêmes.
L'Esprit Saint descend sur nous.